Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit replay de War Thunder. On est toujours dans la branche américaine, on est toujours dans le prototype. Ce n'est plus le T26A que j'ai terminé de grinder, mais avec le T34, un nouveau char qui est, on va dire, une épreuve à vivre, un petit peu comme un parcours, un témoignage. Qui nous est demandé de temps en temps par Dieu pour prouver notre foi. Il faut souffrir. Et je peux vous assurer qu'avec ce chat, on souffre. Oui, c'est terrible, c'est terrible. Donc, comment décrire ce chat? Une tortue arthritique, pour dire que ça avance vraiment comme mes fesses, que ça a des munitions qui sont moins pires que le T26, mais qui sont quand même pas vraiment à la hauteur, puisqu'on est incapable de détruire un char allemand de face quasiment, ou alors en étant très près, mais vous n'avez pas le temps d'être très près parce que le char allemand, lui, a le temps de vous rétamer à une distance qui pour vous semble inatteignable. Voilà, donc vous êtes mal barré. Et on peut dire que ça, c'est ma première bonne partie. D'une part parce que je gagne, même si je suis mort, et c'est ma première partie où j'arrive à faire plus d'un ou deux kills. Oui, mesdames et messieurs, j'ai fait 5 kills. Voilà, vous voyez, je sais compter jusqu'à 5. Extraordinaire, je peux vous le garantir, c'est extraordinaire parce que franchement, c'est difficile. Mes parties auparavant, quand j'arrive à faire un kill, c'est plutôt pas mal parce que généralement je suis détruit avant d'atteindre l'objectif, la place que je voulais atteindre. Parce qu'il y a 15 scouts qui sont arrivés soit à la place que je voulais, ça m'est déjà arrivé pour vous dire que je suis pas rapide, soit parce qu'un mec de l'autre côté de la carte, parce que je vous rappelle quand même que vous arrivez à trouver des chars avec un télémètre laser qui vous met un obus flèche dans le cul. À 2 km de distance, mais ça n'a pas d'importance, c'est quelque chose de réaliste. D'ailleurs, je vous montrerai quelque chose après, quelque chose de rigolo. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, 5 kills dans cette partie, c'est exceptionnel, même si je suis mort, mais je ne suis pas mort. Ce n'est pas un char qui m'a détruit. C'est un avion, comme d'habitude. De toute façon, ça commence à me saouler un peu aussi. D'autre part, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai été au contact? Non! J'ai flanqué et j'ai snipé. Ouais, avec ça. Ouais, vous n'allez pas le croire. J'ai flanqué et j'ai snipé. Bon, alors ça demande un petit peu de temps, le temps de se rendre à la position, mais j'ai trouvé une bonne position, ultra classique, hein, vous verrez, qui est souvent utilisée, mais là, dans le cas présent, dans un contexte différent. Il y avait juste un point à prendre et à défendre. Et ce point-là, bah, il était parfait. Parce que personne ne s'attend à ce qu'on tire du point où je suis, parce que je suis très loin de là où se passe l'action. Et deuxièmement, bah, je suis pas du tout, on va dire, dans l'axe d'attaque ou l'axe où pourraient arriver les forces adverses. En plus, je gagne 10 000 lions, c'est pas possible, j'ai de la chance aujourd'hui. J'ai une récompense, j'ai de la chance aujourd'hui. J'ai terminé, j'ai de la chance aujourd'hui. Et regardez toutes ces médicaments, oh, pop, pop. 5 kills. Non. Quel coup critique. Non, stat du joueur, je termine 1, 2, 3, 4. Merveilleux. Donc, plutôt pas mal. Donc, les prix vengeur, sauveur de chat, 2 fois, professionnel, x 5, en un coup, 3 fois. Quand même pas mal. Double frappe. Avec un canon aussi lent que ça, double frappe, c'est plutôt pas mal. Et frappe furtive, voilà, plutôt sympa. Qu'ai-je détruit? En bras là, on avait du coco en face, du soviétique, du russe, et en ce moment, faut casser du russe. Donc, SU-100P, mort. Object 268, mort. Centurion, bon, c'est pas russe, mais c'est anglais. Les anglais, c'est dans ma priorité des gens que je n'aime pas trop, c'est les anglais qui sont premiers, qui sont en première place définitivement. Même les Russes n'arrivent que second. Et les Russes, c'est juste en ce moment. Hein. Voilà. Et c'est pas les Russes. On va dire que c'est quelqu'un qui dirige la Russie. On ne cite pas de nom. Donc le Centurion, donc c'est anglais, ça c'est toujours champagne. Hein. Donc ensuite un Bécane 1C.
Alors, une bécane, je pense que c'est une petite moto. Non, vous savez, c'est le truc que je déteste. Les canons de 155 mm, donc, qui n'ont rien à foutre dans ce jeu. Et je suis content, je l'ai eu dans son gros truc, là, derrière, là, son énorme machin avec son... C'est là où il a toutes ses munitions. Dans le genre, bah, ça, qui sert à rien, c'est... Pouf! Il s'est volatilisé. Donc, ensuite, donc, un BMP1, là aussi. Montrer... le réalisme. Et puis ensuite, Vladislav, voilà, ah bah tiens. En avion, donc un PE-8, c'est un avion russe, si je dis pas de conneries. Et qu'est-ce qu'a fait l'escouade? Eh bah en fait... Ah oh, bah c'est bien, il a quand même abattu... Ah bah c'est bien, et c'est bien, il m'a détruit, il m'a vengé, c'est bien. Alors que lui, il s'est fait... Ah bah je l'ai vengé! Je l'ai vengé, voilà. Ah, le pauvre vieux. Oh bah dis donc, il n'a pas eu de chance. Voilà. Donc c'est bon. Oh, je suis trop content. J'ai débloqué ça. Donc là, je pourrais mettre le moteur, mais je vais mettre ça. Voilà. Donc vous voyez, j'ai quand même, avant d'avoir une partie potable, j'ai eu le temps de débloquer ça. J'ai bon vous dire que c'est pas vraiment potable. Voilà, donc c'est parti, replay. Alors là, ne vous attendez pas non plus à une action frénétique. Je campe. Hein. Voilà, moi c'est ma spécialité. Je devrais travailler au vieux campeur, hein, moi je trouve, parce que franchement, je crois que j'ai des prédispositions pour ça, le vieux campeur. Bon, enfin, si, j'imagine que vous connaissez, c'est une boutique à Paris, enfin, il y a même plusieurs boutiques qui sont spécialisées, bien sûr, dans le camping. Et oui, c'est difficile avec un nom comme ça de deviner la destination du magasin, hein. Croyez-moi. Bon, je vous épargne, non? Allez, je vous montre. Allez, quand même. Allez, autant se faire plaisir. Voilà le chat en pleine action. Donc on a un point A. Et donc ici, à votre avis, quel est le point qui permet de dominer le point A qui est en contrebas? Un point haut. Et un point haut, on le trouve où? Eh bien, ici, vous avez une petite montée. Ici, vous avez une belle plateforme de tir. Et cette plateforme de tir, elle est où? Elle est ici. Et quand vous tracez une ligne droite, vous avez là. Et quand vous tracez un petit air, vous avez toute cette zone-là. Et ici, bah là, vous avez un débo, une belle petite percée là. Donc ça vous donne un beau petit point de vue sur le point à défendre. Dans la guerre, et ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Napoléon. Il dit la guerre, ça peut pas se faire sans connaître la géographie. La géographie, c'est quelque chose. Napoléon, on sait, il aimait choisir son champ de bataille. Il étudiait le champ de bataille, il étudiait la géographie, il étudiait la conformation du terrain avant d'engager une quelconque bataille. Pourquoi? Parce qu'il voulait savoir comment on pouvait circuler, comment on pouvait déboucher, par exemple, d'une trouée comme ça pour surprendre l'ennemi. Et donc, un bon militaire, un bon stratège est aussi un bon géographe. Et je dirais qu'il faut être aussi un bon historien, un bon sociologue et un bon psychologue. Parce que pourquoi pas? La sociologie, c'est connaître, eh ben, la sociologie du pays adverse et puis la psychologie de votre adversaire aussi. Comme quoi, un militaire, ce n'est pas forcément quelqu'un d'un abruti. Hein. Non, bien au contraire. Voilà. Donc là, regardez, un SU-100, mais là, je ne l'ai pas vu. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'est que partie remise. Pour l'instant, j'essaye de me planquer, voyez-vous. Donc là, il y a toujours des mecs, moi je suis assez étonné, ils sont vraiment sur des spots, on voit que quoi, sur une colline, bien en hauteur, et tu sais, derrière, tu as une petite montagne, donc tu as un beau spot vert qui se détache sur du marron, du marron clair comme ça, du sable, c'est beau. C'est beau, mais ça se voit gros comme le nez au milieu de la figure, quoi. C'est énorme. Donc voilà, là tu prends en place, hein. Donc on en est déjà à presque 4 minutes, on va dire, avant que le cirque commence. L'action. Donc voilà, je ne sais jamais, hein. Il y a des gens qui peuvent avoir des idées à la con, comme moi. Moi, j'ai que des idées à la con.
Là, un char lourd, tout le monde va dire, oh ouais, moi je vais au feu, au feu, au feu. Bah non, moi je vais pas au feu. Je manœuvre pas, je bouge pas. À la rigueur, pour aller là-dedans, il faut un truc super actif, super, on va dire super rapide, réactif. Voilà, j'ai vu quelque chose. Bah c'est mon copain le SU-100. Et là, on va dire un peu comme un jeune qui débute, c'est parti tout seul. Même pas le temps de finir que, hop, c'est parti. Désolé. Voilà. Donc là, il campe pour reprendre. Ah. Donc l'autre derrière. Là, je fais une petite estimation parce que j'avais fait un tiers, mais là, je vérifie que j'étais à la bonne distance. Donc cuisson, c'est bon. C'est la distance. Donc, et en plus, regardez, ce petit rocher affleurant. Alors, on peut dire ce petit affleurement de terre ou de roche, un T34 qui passe là-bas, ça vous protège le châssis. Ouais, messieurs, dames, c'est trop cool, ça protège le châssis. La tourelle est relativement bien blindée, bien que je vous dis, hein, même n'importe quel Gugus avec un Tigre 2 ou un Yak Tiger. Oh, le Yak Tiger, quelle horreur. Ma partie précédente, pas compliqué. Yak Tiger, et puis le canon cassé, bordel. Ça aussi, ça me fait chier. Il n'y a pas une partie où t'as pas le canon cassé. Gna, gna, là, c'est saoulant, ça. Alors, moi, je sais pas, j'arrive. Je sais pas casser un canon. Hein, j'y arrive pas. Hein, très peu souvent. Mais moi, j'ai le canon qui pète à chaque fois, quasiment. Hein, franchement. Hein. Donc je surveille toujours. Et à la fin, je sais pas. Alors là, il faudra que je vérifie parce que il y a quelqu'un qui m'a tiré dessus. Bon, ça a fait ch'tong. Donc je pense pas que c'était un gros calibre, on va dire. Mais c'est quelqu'un qui devait être dans ce coin-là, là. Non, c'est pas lui, je pense pas. Il est à 700 mètres. Donc vous voyez, on a quand même une vue de bah, je pense que c'est ce débouché-là, hein, ou ici, je sais pas. Oh, bordel, attends. Attends. Ah, voilà, ça doit être lui, là. Voilà. J'ai pas... Bah, vous voyez, c'est quand même, effectivement, donc, c'est là-bas, donc c'est bien ici. Mais, bon, avec ces obus de merde... Ben, les Russes, des obus à longue distance, c'est pas franchement leur spécialité. Donc voilà. Bon, je regardais dans le bon endroit. Voilà. Mais bon, c'est planqué du coup. Ben, je pense qu'après, il a dû avancer parce qu'il y a eu un tir d'artillerie. Donc, il doit être dans ce coin-là. Ouais, bah du coup, j'étais pas trop chaud pour aller voir s'il y avait quelqu'un. Vous voyez, on voit rien. Est-ce qu'il est ici? Non, c'est un bout de bois. Ouais, j'en profite hein, en même temps pour essayer de le repérer. Je vois rien. Et là, dans le jeu, rien n'est repéré ou rien n'est repérable, je ne sais pas. Mais toujours est-il que vous voyez, on domine. Et donc là, j'ai fait qu'un kill. Donc il en reste 4. Et on se rapproche dangereusement de la fin. Donc ça veut dire que là, on va passer à une partie un peu plus... Voilà. Donc déjà, il y a le centurion qui est là. Il y a l'objet qui est là. L'objet va terminer en premier. Donc là, les mecs, ils sont tous là. Donc là... J'ai eu de la chance que l'autre me voit pas, mais il est très très espiègle, là, vous voyez, il regarde là et là. Bon, on va dire que un tir chanceux là. Hein. Avec la tourelle qui. Des tourelles, c'est le cas de le dire.
Donc là, je vais avoir une alerte artillerie. Voilà, donc là, on recule. Donc le T-44, j'ai vu, il est là. Donc le BMP est ici. Je crois que... Non, c'est le bandon canon que j'ai eu avant. Donc lui, il est là, voilà, le TD. C'est un TD, bordel. Enfin, moi, voilà, là, on voit un beau... Un beau... Ah là, trop content. Et là, le BMP, il est là. Donc le T40. Alors là, c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose. Voilà. Donc quitter le replay. Voilà. Donc, bon. Je crois que j'ai fait une partie avec 3 kills une fois. Donc le T-34, donc rappel, le T-34 c'est un prototype T, pour les Américains le T c'est prototype, ça fait partie de la série des T-32, T-30 je sais plus combien, enfin toute la série des T-30 quelque chose, le T-30, T-29, T-28, ça c'était, voilà, donc qui n'ont finalement jamais débouché sur aucun modèle de série. A l'inverse, vous avez les T-26, là les T-26, qui vont arriver au M-26, qui va, on va dire, initier la série des M-46, l'évolution M-46, M-47, M-48, M-60, et... Pour rappel, l'armée française a été équipée au titre du prêt après-guerre là, par les Américains, du pré-bail, de M47. Voilà. Et je le sais. Enfin, j'ai le document justement, le petit fascicule qui était donné pendant le service militaire au mec qui était dans l'arme blindée parce que. Ils s'entraînaient sur des M47 et ils décrivaient l'action que devaient faire les M47. Voilà, moi je suis bien content qu'ils aient pris la MX-30 parce que c'est un saut qualitatif énorme. Voilà, donc c'est pas par rapport au 26 quand même la munition, on va dire qu'elle est supérieure. Elle est supérieure, hein, c'est un canon de 120, voilà. C'est pas un canon de 90 mm. Et donc on a quand même, on va dire, des performances pur au niveau de la perforation qui sont quand même largement supérieures à l'autre. Mais clairement, ça n'empêche que c'est quand même assez pitoyable face à des blindés allemands, je vous dis notamment les plus gros. Alors que, n'oublions pas, c'est un char lourd et les performances face à des chars lourds à toute distance, c'est une catastrophe. Hein. Il se fait mais défoncer. Alors bon, le châssis, hein. Mais voilà, donc j'imagine que ça n'a pas abouti parce qu'ils se sont aperçus que c'était pas top top. Voilà. Mais autrement, le. Voilà, moi en sniper, finalement, je l'apprécie. Mais vous voyez, normalement, c'est un véhicule lourd. Donc mais tu te sens absolument pas en sécurité avec. Hein. Ton canon, il pète au bout de 3 secondes. Moi, je passe la moitié de mes parties à réparer. Alors, je vous dis pas, quand j'avais pas mon kit de réparation. Je me suicidais, hein. Ça sert à rien, tu peux rien faire. Tu fais help, help, il n'y a pas un mec qui s'arrête pour t'aider à réparer, donc franchement, voilà, le teamplay dans ce jeu, c'est zéro, hein, clairement. Voili, voilou, donc c'est assez pitoyable. Bon, voilà, c'est un char, il est... Ouais, comme ça, j'aurais fait une vidéo avec ce véhicule, le T-34, mais clairement, bon, allez... On va regarder encore à nouveau. J'ai pas débloqué tout le compartiment moteur. Je vais gagner combien de chevaux? Je vais gagner 45 chevaux. Je vais en gagner 22. Puis là, je vais en gagner 22. C'est-à-dire, on va dire 50, presque une centaine de chevaux. La vitesse maximale du bousin, c'est combien? C'est pas... Ça m'étonnerait que ça aille à 35 km.
Waouh, c'est lent, voilà, c'est lent, il n'y a pas de... Et lui, vous voyez, 48 avec le M26. Le M26, je trouvais que ça se traîne tellement. Et lui, alors là, wow, c'est l'angoisse, hein. Franchement, tu te dis, mais quand est-ce que je vais arriver? Et généralement, quand tu arrives, bah, tu as déjà trois scouts qui t'attendent, quoi. Moi, le nombre de fois où je me suis fait dessouder, alors que j'étais pas loin, hein, franchement, de mon point de départ, il y avait déjà trois ou quatre scouts adverses. Mais tu te retrouves, c'est gangbang, hein. Oh! Tu sais plus où donner de la tête, hein. Oh, franchement. Ah, truc pas récupéré, super. Oh là 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 là. 75% d'expérience en plus. Oh, trop cool. Ben c'est dommage. J'ai pas fait sur cette partie là. J'aurais été tout débloqué. Inventaire, qu'est-ce que j'ai? 75. Allez. Activé. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit truc après. Juste après, là, on va terminer la vidéo ici. Je vais vous montrer la dernière vidéo qu'a fait Gaijin. J'ai tellement trouvé ça con que j'ai été sur YouTube et que je leur ai mis un petit commentaire. Voilà, je vous le montre tout de suite après. Bon, à tout de suite. Ouais, nous revoilà. Donc, je voulais vous montrer la petite vidéo, enfin la partie, les deux parties de vidéo qui m'ont fait réagir et qui, moi, me font penser que Gaijin, plutôt que de montrer le côté réaliste du jeu, nous montre un côté complètement pété et qui est complètement à côté de la plaque et irréaliste. Alors, juste avant que je vous montre les deux passages, je vais vous montrer mon commentaire. Alors, ça, c'est. Je vais le rectifier, modifier. La seule chose I can see que je peux voir dans la vidéo, c'est combien le jeu n'est pas réaliste. Ça, c'est ce que j'ai marqué. Et vous allez voir pourquoi je mets ça. In an ambush there, because there's no way out of it. Can't peek, can't retreat, and then a bomb ruins the tracks. Is there a glimpse of hope? Yes, when another bomb's shockwave sends the tank into a roll. Now deflect an enemy round with your frontal armor and destroy them with your return fire. Many people wonder why anyone would need radio fused round. Premier passage, donc c'est sûr que c'est super réaliste d'avoir un char qui fait une roulade sur le côté, comme dans un film de John Woo, et où le mec, tout de suite après, non, les gens ne sont pas choqués dans le char, les gens ne sont pas blessés, et ça, c'est ce qui me fait chier, c'est que quand tu tires dans un char que tu tues les trois quarts de l'équipage, les mecs, ils ripostent. Voilà, j'aimerais qu'il y ait quand même un petit temps de latence, qui est de dire qu'ils sont un peu choqués, il y a des gens qui sont un peu blessés. Et voilà, ça je trouve ça vraiment de plus en plus chiant et j'ai de plus en plus de mal à le supporter. Deuxième truc qui est voilà, vraiment le degré zéro du réalisme, c'est cette petite vidéo. Voilà. Et là encore, pour moi, c'est complètement con. Si ça veut bien partir, ce serait bien. And for dessert today, we're having... Voilà, donc je présente, hein. Je vais vous dire un peu de quoi il s'agit. Donc là, vous allez avoir un Katyusha, une Katyusha, je ne sais plus comment, c'est un lance-roquettes, donc je vais dire un Katyusha. Donc c'est un lance-roquettes russe de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde connaît le Katyusha, hein, au moins de nom, et c'est ce qu'on appelait une arme de saturation. Le but, c'était avant de donner un assaut, il y avait des tirs massifs de régiments de Katyusha qui devaient littéralement assommer l'adversaire. Soit l'infanterie, elle était morte, soit elle était folle. C'était un assommoir, vraiment. Ça assommait les gens. Et donc, après, il y avait un assaut qui était. C'était suivi d'un assaut blindé, tata. Voilà. Mais c'était une arme qui devait être préparée. Il y avait des précisions. Enfin, il y avait des positions qui étaient préparées. Les mecs étaient alignés. Et surtout, ils étaient en, comment dire, ancrés parce que vous aviez des fusées qui partaient qui. Bah, ça. On va dire, il y a des conséquences mécaniques, des conséquences physiques. Quand vous tirez une fusée, voilà, ça pousse sur l'avant. Il y a une poussée. Et donc, je veux dire qu'à un moment donné, même si c'est sur des rails, et voilà, il y a quand même des principes. C'est pour ça que je râle quand je vois des canons de 155 qui se baladent en pleine rue, qui ne sont pas ancrés, qui n'ont pas mis des choses pour les stabiliser. Parce que quand ils tirent, je veux dire, ça provoque des réactions. Quand vous avez un truc comme ça, action, réaction, c'est un principe de physique fondamental.
Et tu vois les mecs qui se baladent en ville, mais putain, mais qu'est-ce que c'est con! Et comme des TD, mais bordel! Voilà, c'est stupide. Et là, vous allez voir, là, Your on est au professor degré level vraiment class on zéro du how to do réalisme. close combat on a milk truck. One good rear attack, Ah. and you've got two Déjà, friends. première Up. réaction, le mec, il n'est même pas arrêté, il commence à tirer. Zéro réalisme. Panzer peeking out from a hill? Let's make it three. A couple of stoops want to check out the noise complaint. Four, five, and here's six. Whoa. Less than a minute to make half of the enemy team disappear without a trace. And this machine was never Voilà, meant for allez, close on combat. va arrêter ici. Voilà. Donc là, franchement, c'est le degré zéro de réalisme. Enfin, et franchement, là, la seule chose qui montre, c'est que leur jeu, il est complètement pas réaliste. Et quand tu parles de simulation, mais personne, un tant soit peu sérieux, qui connaît un peu le milieu des blindés, qui connaît un peu les principes de physique de base d'un canon ou de l'artillerie ou d'un lance-roquettes, il voit ça et il dit, mais c'est complètement con. Et c'est la réalité, c'est complètement con. Alors, je veux bien que ce soit un jeu, mais mon Dieu, arrêtez de nous dire que c'est une simulation. Je veux dire que là, ils font une démonstration officielle que ça n'a rien d'une simulation et que le réalisme, il est aux fraises. Il est complètement aux fraises. Voilà. Donc là, j'avoue que moi, j'ai vraiment de plus en plus de mal avec ça. Et donc voilà, je voulais mettre ce petit commentaire à la fin pour vous montrer moi ce qui me pèse. Et quand je dis me pèse, c'est pas quelque chose de méchant, mais c'est quelque chose, ça me fait un peu mal quand même. Ça me fait un peu mal parce que j'aime bien le jeu. J'avoue, j'aime bien le jeu. Il y a quand même des moments où je passe de bons moments. Mais franchement, quand tu vois des trucs comme ça, mais tu te dis, mais face palme, c'est quoi ce bordel? What the fuck? Voilà, c'est complètement con. Bon, ben c'est comme ça, c'est comme ça. Tout le monde s'en fout, donc je vois pas pourquoi il changerait. Mais j'avoue que c'est un peu casse-bonbon. Voili voilou. Bon, ben écoutez, cette fois-ci c'est bien terminé. Je suis en train de faire mon petit montage rapide, et donc ça va être ici, dès que ça sera terminé. Voilà, allez, ciao, à la prochaine.